La solidarité de la nation tout entière. Je veux dire aux victimes de cette situation assez difficile que nous sommes à leur côté. Nous pensons à eux et nous agissons pour leur apporter le réconfort nécessaire sur tous les plans. La situation telle que décrite est assez difficile, il faut le noter. Mais il faut saluer en même temps la réactivité du gouvernement à travers les autorités ministérielles concernées qui se sont déplacées déjà dans cette région. Je veux nommer le ministre de l'Intérieur accompagné du ministre de la Famille et des Solidarités. Le ministre de l'Hydraulique en voyage prévoit de se rendre très prochainement dans la zone aussi. Et de noter aussi la mobilisation des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à installer dans les délais records un hôpital militaire de niveau 1 et se déplacent même en pirogue pour aller soigner jusque dans les villages les plus inaccessibles. Je pense que c'est des efforts notables qui ont été déployés ici. La situation sur le plan de l'assistance des vivres, des gîtes pour les familles qui ont souhaité être relogées parce qu'il y en a qui ont voulu rester dans leur maison mais en allant à hauteur dans la mesure où ça a été possible. Les familles sinistrées qui ont souhaité être logées ont été logées. Les vivres continuent de leur être apportés. Des kits solaires arriveront bientôt. Et je voudrais en profiter aussi pour magnifier la solidarité de certaines sociétés qui ont amené des kits d'eau, des kits alimentaires, des kits solaires et d'autres bonnes volontés même qui ont apporté de l'assistance consistante pour venir en renfort à ce que l'État est en train de faire. Je veux dire aux populations, où qu'elles soient sur le territoire national, ils auront notre solidarité permanente et notre action chaque jour renforcée pour leur apporter le soutien et le réconfort nécessaires. Évidemment, le gouvernement ne va pas s'en tenir à gérer cette situation-là. D'ores et déjà, j'ai instruit le Premier ministre et le gouvernement, les ministères concernés, de réfléchir à un plan de mitigation qui peut apporter des solutions définitives à la situation que ces populations sont en train de vivre. Mais globalement, je suis satisfait de la prise en charge. Situation bi metina, waye fleuve bi débordé, luñu min la, pa nak ci dimension yi am ni. Di doon am bu fleuve bi déluaté ganaw ni ñi ñëwaat pour mëna bay seen mbay mi amna ñak ñi am ay yaqku ci tool yi ak ci seen bagage yi ndax nu mu démé ren mom xawna jéggi dayu trop waye liñu bëggoon wax rek ñi nga xamanteni ñu ngi ci situation bi ke mu nekk fi Bakel wala mu nekk fenen ci biir réew mi rawatina fu melni matam dama bëgg ñu xamné man président de la république ma ngi seen wét di bokk ak ñom tiss gi ak naqar gi gouvernement bi yépp mu ngi seen wét di bokk ak ñom tamit jafé yi nga xamanteni ñu ngi koy dund té fogg na né bu ci ñoon nekké seen wét melna ni askanu sénégal yépp nga nekk seen wét di leen naqar di naxor situation waye tamit di leen jappalé bima ñëwé fi nak ni autorité yi nekk ci gouvernement bi pour commencer ci ministère yi nga xamanteni ñoy gérer situation bi mom na ci ministre de l'intérieur ministre de la Famille et des Solidarités, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, waye tamit ministre des Forces Armées. Ñi nga xamantene lepp lu war ci taxawu def nañu ko bu mot seuk. Ndax bu mu xewé rek le gouvernement bi dégager enveloppe bu ñëkk pour ministre ñi won xol am lu ñuy jappalé ñi nga xamantene fekk nañu leen ci jafé. Waye bu ñu gisé ni situation bi gën na jéggi dayo nonu gën nañ mobiliser yeneen ressources yu gëna am solo pour gëna mëna jappalé ñi nga xamantene am nañu ay yaqku fi ci Bakel ak ci département Matam waye jappandal gi dina wessu rek jox leen manam fi ñu tudd ci nekkagum fi le temps que ñu mëna duggar seen kër yi ndax fu mu tollu ni armée bi ni ngeen ko xamé défar na ben hôpital militaire bi ñuy wax hôpital militaire de niveau 1 waye téréwul puisque askan wi am nañ jafé jafé ñew ba ci hôpital yi armée ñu ngi jël seen gaal yi di dem fekk ji askan yi di leen faj ba ni ngeen déggé ñu waxé sank dem nañ danaka def ay intervention ci lepp ay fukki de ko way yo xamantene dem nañ fa fekk ci fay nit faj leen waye dina tamit sargal ñi nga xamantene ñu ngi ci gannaaw bokku ñu ci état di ay société privée yu ñew jappalé askan wi andi ndox andi ay lek waye and sax ba ci ay kit solaire pour mëna jappalé ñi nga xamantene fiñu leen andi fi amuñu fi courant
té dinañ soxla tout temps di profito tamit bugu di joté pour ñu mëna léral di xol fuñuy nek ak fuñuy toggé wala fuñuy fanan li nak dinañ ko wéyal le temps que ñu situation bi deltu wat ci situation normale bi waye dinañ fagandiko tamit yenen at yi di ñew parce que li buy xew yalla du ci taggu kenn waye nak ñun ñoo wara wajalé no xamné bu amé fekk né li ci war pour ñu jappalé ñi nga xamanté ñoo nek situation bobu lu ci bëri taxawna bu ko défé mu gëna yomb ci ñom donte di jafé jafé lay nek batay waye fekk né tamit état gën na nek alis nga xamné lu mu wajal pour ñi nek ci jafé seen jafé jafé yi mëna pupitre qui est constitué d'une plaque. C'est fait sur le thème des armées. Bienvenue à cette cérémonie d'installation des membres de la Commission de régulation des dysfonctionnements, CRD. Monsieur Nya Tarcissus Milogo. Présent. Conseiller en gestion des ressources humaines. Monsieur Rayanewende Isidore Tiemtori. Présent. Contrôleur d'État. Madame Salamatou Ouedraogo. Présente. Juriste. Monsieur ZCM Roland Ouedraogo. Présent. Magistrat. Monsieur Yuluka Luc Damiba. Présent. Chercheur spécialiste. Au nom du président du FASO, chef de l'État, je vous déclare installé ce jour, 25 octobre 2024, dans vos fonctions de membre du Conseil d'orientation de la CRD, avec félicitations et tous mes encouragements. Le jeudi 11 juillet 2024, le chef de l'État, Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, s'engageait solennellement devant les forces vives de la nation à mettre en place dans les ministères et institutions des organes chargés de réguler les dysfonctionnements dans l'administration publique et de promouvoir la bonne gouvernance telle qu'il ressort dans l'article numéro 2 de la charte de la transition modifiée adopté le 25 mai 2024. Cet engagement du chef de l'État a été concrétisé par le Conseil des ministres qui, en sa séance du 24 juillet 2024, a adopté le décret portant création, organisation, attribution, composition et fonctionnement d'une commission de régulation des dysfonctionnements en abrégé CRD.
L'adoption de ce décret, qui marque un tournant décisif dans la gestion de la chose publique au Burkina Faso, s'inscrit en droite ligne avec les objectifs et missions de la transition, notamment la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. La création de la CRD s'inscrit dans cette volonté de construire un Burkina Faso fort et souverain, doté d'une administration juste et équitable, une administration vertueuse, débarrassée des comportements non éthiques ou non professionnels de certains supérieurs hiérarchiques. Aussi, faut-il le rappeler, la CRD a, entre autres, pour objectif de requérir l'application des sanctions à l'endroit d'un agent fautif et du supérieur hiérarchique qui ne requiert pas la sanction, de veiller à l'application des recommandations non mises en œuvre, des rapports d'audit et de contrôle des structures et des corps de contrôle public, de suivre l'exécution des sanctions judiciaires et administratives et de veiller à la mise en œuvre de leurs implications, d'assurer le traitement des dénonciations non poursuivies relativement aux faits traités par l'administration. La bonne marche de la CRD nécessite que des hommes et des femmes sacrifient de leur temps et mettent en synergie leur intelligence pour répondre efficacement aux requêtes que des Burkinabés viendraient à leur soumettre. Je voudrais appeler à chacun la mission qui est la sienne dans cette quête permanente d'une gouvernance vertueuse au profit de notre peuple. Je ne doute point de vos qualités intrinsèques, de votre sens élevé de la responsabilité pour mener à bien cette noble et exaltante mission. Chers membres du Conseil d'orientation, vous devez être des VDP engagés. C'est une première, vous serez sans doute combattus. Vous devez lutter. Lutter jusqu'à épuisement de vos moyens. Et encourager les uns et les autres à lutter avec vous. Je voudrais vous rassurer de l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement à créer les conditions d'un bon fonctionnement.